Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé « La consolation ou son impact sur le renforcement des liens et rapports sociaux ». Louange à Allah Seigneur l'univers qui dit dans son noble livre « Et faites le bien dans le but de réussir ». C'est peut-être qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et ta bénédiction à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. La consolation est une noble valeur humaine et une bonne moralité islamique qui se tient preuve sur l'honneur de l'âme et la bonté du cœur. La consolation est l'un des sublimes noms d'Allah, gloire à lui, où il console ses serviteurs, Al-Jabbar. Il dit... C'est lui, Allah, nulle divinité que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, ou bien le compatissant. Le Seigneur de l'univers console la pauvreté par la richesse, la maladie par la santé, la peur par la sérénité, le désespoir par l'espoir et l'espérance. D'où l'invocation que faisait le prophète, salut et bénédiction sur lui, au cours de sa salate, ô Allah, pardonne-moi, prends-moi dans ta miséricorde, guide-moi, console-moi et pourvois-moi. Béni soit le poète qui dit, c'est ainsi Al-Jabbar dans ses attributs, le Jabre s'y trouve sous deux formes. Consoler le chétif est au cœur des venus blessés, alors que la consolation lui est si proche. La deuxième forme, on est le fait de contraindre par sa gloire qui n'y est à attribuer à aucun autre. Contemplant le noble Coran, on réalise que Allah, gloire à lui, console ses serviteurs, rassure leur cœur, accorde repos à leurs âmes et leur apporte la joie. Lorsque le cœur de la mère de Moïse, salut sur lui, était brisé d'inquiétude pour son fils, Allah gloire à lui, lui rendit pour la consoler et lui rassurer le cœur. Allah gloire à lui dit, ainsi nous le rendîmes à sa mère afin que son aïe se réjouisse, qu'elle ne s'affligeait pas et qu'elle sut que la promesse d'Allah est tellement vraie et véridique. Mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Lorsque le prophète, salut bénédiction sur lui, fait obliger de quitter la Mecque, Allah le consola sur le chemin, menant à Médine, lui disant, c'est lui qui t'a prescrit le Coran, te ramènera certainement là où tu souhaitais retourner, c'est-à-dire à la Mecque. Allah gloire à lui dit également, et lorsque le proche parent, les orphelins et les nécessiteux assistent au partage, c'est-à-dire partage de l'héritage, offrez-leur quelque chose de l'héritage et parlez-leur convenablement. C'est dans le but de les consoler et leur rendre compassion. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous lance le meilleur exemple en matière de consolation par la bonne parole et le répit. Lorsque le pauvre leur vinrent dire, les richards s'emparèrent de l'entière et de la bonne rétribution, ils font la salate et le jeûne comme nous, et en plus, ils dépensent le surplus de leurs biens. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de répondre, Allah ne vous a-t-il pas donné ce de quoi vous dépensez? Chaque glorification vaut une charité, chaque dire l'ange Allah vaut une charité, chaque dire point de divinité en dehors d'Allah vaut une charité, ordonner le convenable vaut une charité, interdire le loyable vaut une charité. D'après Abdullah ibn Abu Aoufa, qu'Allah l'agré, le prophète salut et sur lui n'hésitait pas de marcher avec la veuve, l'indigent et le besogneux. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontra Jabir, Ibn Abdullah, et qu'Allah l'a guéri, étant vulnérable à cause du martyr de son père, qu'Allah l'a guéri, laissant derrière lui des mineurs et des dettes. Le prophète consola Jabir, qu'Allah l'a guéri, en lui disant, veux-tu que je t'informe de quoi Allah a rencontré ton père? Allah n'a parlé à aucun sauf derrière un voile,
Il ressuscita ton père et lui parla face à face, lui disant, « Mon serviteur souhaite et je te le réalise. » Elle répondit, « Allah, fais-moi revenir à la vie pour être tué encore une fois dans ton sentier. » Allah, gloire à lui, de répondre, « Ma parole exigea déjà que les morts ne reviendront plus à la vie de Seba. » Lorsque Ja'far ibn Abi Talib, qu'Allah l'agré, fut tombé martyr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam consola sa famille par ordonner à ses compagnons préparer de la nourriture à la famille de Ja'far occupée dans leur malheur. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soient accordés au dernier de prophète messager, notre maître Mohammed, à sa famille et à tous ses compagnons. Certes, la consolation a un grand impact en matière de renforcer les liens et rapports sociaux, réunir le cœur et unifier les rangs pour concrétiser la vraie fraternité et la véritable solidarité. Là s'agrandit l'esprit d'amour et dure l'affection et la familiarité. Le prophète Salim Jussou sur lui dit, la parabole de croyants interaffectueux, interclément, et celle d'un corps compact dont si un membre souffre et les autres membres le soulagent par veiller fiévreusement. Il dit également, le croyant avec son croyant, avec son frère croyant, constitue une construction dont les parties se consolident. Il dit également, et quiconque dissipe un croyant l'un des malheurs de l'ici-bas, Allah lui dissipera l'un des malheurs de l'au-delà. Quiconque facilite un insolvable, Allah lui facilitera aussi bien dans le ciel que dans l'au-delà. Quiconque dissimule les défauts d'un musulman, Allah cachera ses défauts aussi bien dans l'au-delà que dans le ciel. Allah est au secours du serviteur tant qu'il est au secours de son frère. Il est à noter que nous vivons des jours bénis, marqués par la consolation et la solidarité sociale, par la bonne parole. On a donc besoin de s'engager de la consolation, car la rétribution est de même genre de l'action. Allah gloire à lui dit, y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Le dicton dit, qui parcourt parmi les gens pour les consoler, Allah le sauve en plein danger. Ô Allah, console-nous, soutiens-nous et pardonne-nous, préserve notre pays et élève son drapeau dans l'univers. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.